Bonjour à tous et à toutes. Vas-y, tu commences. Je suis fatigué du week-end. Il m'a tué le week-end. Elle est tout le temps fatiguée, de toute façon. Pas volé, celle-là. Aïe. Jeu de main, jeu de vilain. Jeu de pied, jeu de PD. Ah. Pardon. Sorti tout seul. Du coup, on a fait un petit tour à Action, comme d'habitude. Donc, on a commencé... On n'a pas mis 200 euros, hein. Je rappelle la petite information aux connasses, si je puis me permettre pour le dire. 29 euros, ah, il y a des brouettes. On est raisonnable. Ok. Non, il n'y avait rien. Ouais, en fait, il n'y avait rien surtout. Je prends un café parce que je suis franchement... Il y a un coup de mou. Si ça se voit à mes yeux, je suis crevé. Faut que j'aille mettre un coup de compresseur, je vais me regonfler. Non, allez, je commence. Arrête, tu fais du bruit, tu sais très bien. Allez, vas-y, les gens s'entardent là, ils s'attardent. Ils s'entardent. Non, ils s'attardent. Allez. Donc j'ai été trouvé, j'avais vu ça dans un autre hall, des amandes enrobées de chocolat, donc chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc. Donc je vais tester. Ça vaut 1,99€. C'est dans le rayon où il y a tous les trucs bio. C'est pas bio ça. Non, mais cacahuètes bio. C'est pas bio ça déjà. Vas-y, donne les kilocalories de ton bordel là. Ah bah regarde même pas, jette-les. Hein. Si je te jetais en même temps. Hein? Tu serais pas déçu? Je sais même pas, je vais avoir une taxe pour poubelle. On sent l'amour quand même envers son mari. Donc à partir de demain, tu te fais ta bouffe, tu te démerdes. Oui mon chéri. Voilà. Non, il n'y a plus de mon chéri. Tu vas me mettre à la poubelle, tu te débrouilles. J'ai pris du Lipton comme ça. Dégage. Et ça, c'est combien? 0,84 centimes le Lipton. Ça, c'est très bon, je vous conseille. Donc, c'est pas très grave, il n'y a pas de soucis. Ça. Là, je vais faire mon Calimero. Vous avez vu comment elle m'a parlé? Ah, pauvre loulou. D'habitude, c'est lui, alors. Un peu à charge de revanche. Par contre, faut que tu arrêtes l'alcool le week-end. Parce que, je vois pas, c'est ça, Pierre. Ah oui, c'est moi. C'est vrai, j'ai oublié. C'est les vapeurs. Donc, ouais. J'ai repris de l'Arizona. C'était en promo cette semaine. Donc, celui-ci, la grenade et pommes. Et. Et ça vaut 0,59 centimes, il y a 500 millilitres dedans, pardon. Donc ça, je vous conseille, c'est bon, pas de soucis. Ça, c'est... Bon, allez, vas-y, t'es trop lente. Bon, j'ai racheté des tubes de colle parce qu'il y a des demoiselles ou des dames, pardon, si je puis me permettre aussi, qui m'ont demandé donc de faire un DIY sur le soleil que je fabrique là, avec les coquillages. Donc par contre, je ne sais pas ce que je vais mettre comme coquillage. Est-ce que c'est ceux d'Espagne? Je ne sais pas, je trierai. Il y en a pas mal. Ouais, parce que ceux d'Action, après les autres, ils sont pas terribles. Donc. Et puis ils sont trop gros. Et puis, il y en a, ils sont en forme pointue. Donc j'aime pas trop. Donc j'ai racheté deux lots de colle pour le pistolet à colle. Tiens, je me suis fait enfler là. Il est ouvert celui-là. Ouais, il est décollé. Ouais, il y a les deux. Donc j'ai racheté. Donc ça coûte 0,99 centimes pièce, pardon. Donc il y en a 10 à l'intérieur. Ça me suffit amplement pour faire les trucs. Donc voilà. Donc je ferai un DI pour ça. Bon, pour la semaine où j'ai rien glandé, j'affirme, je suis coupable. J'ai rien glandé cette semaine. J'ai fait aucun DIY. Mais ma femme, enfin, je sais pas si vous vous rappelez de l'ancien hall, hall de chez Action, là. Ma femme m'avait acheté le papillon et puis le. Et le pan, voilà. Donc, ils ont été faits, ils sont rangés. Donc, je vous avais dit, je ne ferai pas de vidéo là-dessus, je voyais pas trop l'intérêt. C'est la même chose que l'autre fois. Voilà, donc. Là, par contre, elle m'a acheté un beau truc. Tu vas le chercher un moment, ce que tu m'as acheté? Non, j'ai pas envie, je suis fatigué, je t'ai dit. Mais on le voit pas, de toute façon, il est pas déballé. Bon, bah, enfin, ça sera un beau dragon que ma femme a pris. Ouais, les diamants, là. Voilà, sur Vich, là, sur DIY Diamant Painting. Ouais. Oh, j'ai bien un rappel. Bon, vu qu'elle avance toujours pas. Oh, donc, je vais rebalancer. T'es en train de parler. C'est parce que je vais trop vite, tu vois, la preuve, tu. Oh mince, déjà. J'ai racheté ça, mais j'avais pas vu ça auparavant chez Action, donc c'est pour mettre des photos. Hein. Je sais pas si vous voyez. Donc j'ai acheté, ça c'est pour nous quatre en fait, hein. Donc j'ai acheté deux étoiles, malgré qu'elle s'en est pas une. Ah non, c'est pas des étoiles là. Bon, enfin c'est un truc bizarre là. Donc derrière, vous avez les cadres. Il y en a combien là-dedans là? Ah, il y a trois sortes. Ah d'accord, en fait vous les collez l'un sur l'autre. Il fallait que je cherche, hein. Je suis fatigué moi. Donc derrière, vous avez donc tous les MDF là, tous les bouts de bois là, les papiers. Donc il y en a combien? Il y a de l'eau. Trois feuilles, le pinceau et puis la colle, la mousse en 3D là. Donc voilà, et la peinture blanche comme d'hab. Donc comme je disais, j'ai acheté de l'eau, donc ça coûte pièce, je sais plus combien il y en a. 1,99€, c'est ça?
Je sais pas. Bon, en fait. Donc j'ai acheté ceux-là pour c'est nous, pour moi et ma femme. Et puis ceux-là, c'est un pour 59. Les gamins. 1,59, voilà, pièce. Et donc j'ai racheté deux lots comme ça pour les gamins. On peut la mettre, je ne sais où. Mais je ferai un de chaque. Hein, je ne vais pas faire les deux en même temps et peut-être pas. Hein. Je ferai donc un de chaque. Donc 1,59€ pièce. Ensuite. À moi. Ah, bah, quand même. J'ai acheté ils appellent ça des chewing-gums pour les chiens, mais c'est des os à mâcher. Donc ça, c'est. Ils vont faire des bulles, non? Ouais, 1,28€ le lot de 5. Donc ils sont bien durs, bien éclairants. Essaye, elle les a testés. Non, je teste pas, je suis plus dedans après. C'est vrai, j'ai été fauché. Bah là, c'est des cadres en fait. Ouais. C'est ça, hein. Le butterfly, ouais, c'est ça, c'est des cadres. Donc derrière, il n'y a rien. Hein. Faut savoir que c'est vide derrière. Vous avez juste le pourtour en bois. C'est ça. Vous avez le pourtour en bois, les cales pour poser vos trucs. Ça, on l'a deux à chaque fois. Ouais, c'est pas mal. D'accord. Et deux papiers qui vont avec, bah, pour les à découper et tout. Donc je ferai un petit deuil là-dessus aussi. J'en ai acheté un. Je sais pas si je l'ai dit ça. Comment ça, je suis bigleux. 1,79€. Oui, effectivement, je suis bigleux. Donc j'ai pris papillon, là, pardon, parce que je vais un peu vite en besogne. J'ai pris un perroquet. Le perroquet. Donc lui, c'est pareil, deux cadres aussi à l'intérieur. Après, bah, peinture, la mousse en 3D, et puis il y a les deux feuilles. Donc je sais pas s'il y a une feuille de plexi derrière. C'est bizarre parce qu'il manque un truc en plus. À moins que ce soit. Non, il n'y a pas de plexi derrière. Oh, ça gueule, hein. Si, il y a deux plexi, je racontais des bêtises. Ah, attendez, si je vais vous les déballer, ce sera même mieux. Bon, en attendant qu'il déballe. J'ai repris des lingettes à la aloe vera. Ça, c'est bien, je vous conseille. Elles sont nickel. Il fait du bruit, il fait spray, là. Donc ça, allez-y, il n'y a pas de souci. Ça vaut 0,79€ le paquet. Voilà, là, c'est post-it, là. Ah, il y en a deux. Ah, ouais, mais n'y a rien. Donc, il y en a deux à l'intérieur, plus des feuilles, comme je disais à l'intérieur, qui sont pas mal, moi, j'aime bien. Donc, voilà. Voilà. Pourquoi on a donné deux? Alors qu'il y a deux cadres. Bah oui, mais attends. Il y a deux feuilles. Ah, il y a juste un pied pour poser le... Mais non, il y a deux pieds. Bah oui, c'est con, leur truc. Bah non. Mais si, c'est nul. Ah, oui. Ah, attends, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, attention. Ouais, j'ai trouvé. Alors, non, je ferai le DI. Oui, ce sera mieux parce que tu vas pas nous faire en direct. Ouais, non, sinon c'est pas drôle. Après, voilà. Vous allez dire, mais ça sert à rien de faire ça. Voilà, c'est bon, aussi. J'ai compris. Donc, il y a bien deux plexis à l'intérieur. Je comprendrai après pourquoi. Je ne vous le dirai pas. J'ai pris des petites barres de céréales au riz soufflé que j'avais vues sur le monde de Piyou, que je fais coucou. Et donc du coup, je vais goûter parce qu'elle a dit que c'était super bon, donc je vais tester. Et ça, c'était 1,05€, donc ça sera bien pour le boulot, vers 10h par là. Esprit, je vais claquer. Ah. Donc voilà, les petites barres au riz soufflé chocolat. J'ai repris du cappuccino. Non, non, c'est pas toi qui as pris, c'est moi. C'est toi qui as pris parce que je sais. Parce que les bois le matin. Voilà. J'en ai plus du coup. Je dis, mais tiens, ça descend vite en ce moment, je trouve. On a fait les courses la dernière fois avec ma femme, donc chez Action. Je dis à ma femme, je dis, c'est bizarre, on arrive au week-end. J'ai dit, bah merde, le truc il était plein. Ouais, tous les matins, je voyais ma fille en train de se servir. Ping, ping, ping. Et puis c'est deux à chaque fois. Donc ça va vite, hein. Les 7 doses, ça disparaît. Et ça, c'est 2,99€. Or qu'elle nous a casse-pieds et cassé les pieds. Oh, je veux bien du café à la framboise. Oh, je veux bien du café à la vanille. À la vanille. Donc elle a, hein. Mais non, elle préfère prendre nos affaires, comme d'hab. J'ai pris les petits aimants à colorier. Donc ça, c'est les manettes. Ça, c'est 0,59€. Il n'y avait plus les licornes. Donc du coup, je n'ai pas pu en prendre, désolé. Et là, c'est les attrape-rêves. Je crois pas que j'avais pris déjà l'autre fois. Donc j'en ai pris d'avance. 0,59€ le paquet. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, il me reste ça. J'ai pris des... Je sais pas comment on appelle ça, des stickers. Oui, des stickers. Alors 0,99€, les deux plaquettes. Alors, il y en a deux sortes. Deux sortes, comme ça. Et vous avez derrière. Tu vas faire quoi avec ça? C'est pour mon belette, mais il faut que je m'y mette. Et puis celui-là, là.
Ça sent bon le printemps. Hein. Les petits attrape-rêves aussi encore. Donc voilà. Et ça, ça vaut 0,99 la plaquette et il y en a deux dedans. Autocollante. Mmh. J'en ai racheté un autre. Mais je pensais qu'il était plus joli que ça. Moi, il est moche celui-là. Je fais une connerie. Obligé de mettre le moins d'autres. On mettra un chambatif. J'aime pas la déco chez elle, c'est une horreur. Donc on verra plus tard ce que ça donnera. Mais bon. Donc j'ai acheté un zozio là, avec des petits papillons. Je sais pas si je mettrais ça, j'en sais rien. C'est vilain en fait. Bah, tu l'as pris alors? Bah, je pensais que c'était plus. Je croyais que c'était un papillon de base. Tu mettrais d'autres couleurs? Oh. Tu mettrais le papillon à la place? Ouais. Bizarre. Donc là, ils ont mis enfin une peinture noire, là. Bizarre. Je sais pas si vous voyez là. Donc c'est le seul que j'ai réussi à trouver avec de la peinture noire autour. Donc c'est un zozio, donc je ferai peut-être un DI là-dessus, j'en sais rien. Un zozio. Ouais, manio là. Je verrai. J'ai racheté de la colle Kichlin. Enfin, je sais même pas s'il y a plus celle-là. C'est jamais les mêmes colles. C'est jamais les mêmes, ouais. Ils sont tout le temps en train de changer de packaging. Ou autre, là. Donc ça, ça coûte 0,69 centimes. C'est en deux tubes. Et c'est 40 grammes par tube en fait. Donc voilà. Donc celle-là aussi, je pense qu'elle doit schlinguer. Hein, comme d'hab. Ah, c'est de la colle. Ouais. Je sais pas, en attendant, c'est pour vous dire, comme je vous disais la dernière fois, je préfère quand même les gros comparant aux petits, ils sont plus chiants les petits. Donc voilà. Et moi, pour finir, parce qu'elle adore. C'est fini. Bon, bah, je dors. J'avais racheté tout à l'heure un setup et un 7-up. Setup, c'est par rapport à ma fille. Je me foutais d'elle. Non, qu'est-ce qu'elle avait dit? Si, c'est setup. Si, setup. Bah oui, elle lit setup. Ouais, setup. Au lieu de dire 7-up. Ouais, et puis après, c'est nous les yeux. Excuse-nous, mais nous, on est nés avant toi. Mais bon. 0,67 centimes et puis je l'ai même pas fini au Morito. C'est Morito. Ah non, il est nature celui-là. Ouais, il faudrait faire le Morito, il est meilleur. C'est pour ça que je l'ai pas vu entièrement. Oh ouais. Voilà. Oui. T'as oublié ton petit sac action. Non, c'est toi. On peut racheter. Oh putain. Ouais. On a une tonne de sac action. On fait pas mal de l'argent. On a une collection printemps, ça. Bon, on l'avait acheté l'autre fois, mais ouais. On l'a racheté encore. Bah ouais. Donc voilà. Non, il était rapide et court celui-ci. Hein. Mmh. La preuve, on a mis que, tiens, les 13 minutes. Mmh. C'est nul. Non, mais en attendant, on peut glander. Je t'en pense. T'as à dire quoi? Si, il y a une dame qui m'a demandé pour comment installer un tuyau d'arrosage sur un Karcher avec les embouts que j'avais acheté de chez Black & Decker. Il y en a une qui m'a fait une petite boutade par rapport à ça. Black & Decker, elle va savoir de qui je parle. Mais c'est pas grave. Ça te regarde pas, elle suit pas. Heureusement que je suis vos commentaires, si, moi. Si, je suis. Non, pas tous. Si, si. Non. Non. Donc, je ferai une vidéo là-dessus. Donc, je ferai pas du factice, mais je prendrai un. Comme anciennement, j'étais plombier. Donc, je prendrai un robinet extérieur. Je sais pas si je mettrai ça sur une planche. Non, je ferai ça en rapide. Donc, un robinet extérieur, les embouts qui vont avec, un petit bout de tuyau d'arrosage qui va sur le Karcher. Je vous montrerai ça donc la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire encore? Pas grand-chose. S'il parle de la guirlande que t'as dit, il y a une dame qui t'avait dit ça. Là. Oui, qui m'a demandé une guirlande. Qu'elle se relance, la dame. Il y a même qui ne trouve pas ça. J'étais dans le commentaire, des fois, je sais même plus. Qu'elle nous donne son adresse et tout, pour ceux qui n'arrivent pas à la trouver. J'ai pris une guirlande parce qu'il y en avait une dame qui n'arrivait pas à en trouver, donc du coup, j'en ai pris une. Si elle en veut une, qu'elle nous fasse signe aussi par boîte email, ça serait sympa. Parce que par Messenger, au pire, n'importe, mais dites-nous, je vous l'envoie par courrier. C'est pas 2€ ou 3€ qui va nous empêcher de vivre. Donc, allez-y, dites-nous, et moi, je l'envoie tout de suite, hein, pas de souci. Donc, voilà, la petite lanterne à faire soi-même, que j'ai toujours pas fait. Pas le temps. Ben non, il y a le jardin, là, en ce moment. Il a fait beau tout le week-end, alors. Et on n'a pas fait le jardin. Si, on a tendu. Ah oui, ça m'a pris un quart d'heure. J'ai mis de la pelouse. Ça m'a pris un quart d'heure de tondeuse. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien avec un tracteur tondeuse, tu perds plus de temps. Ah, elle est marre. On mettait 2h30 pour tondre nos 2000 m² de terrain. Pourtant, c'est une tondeuse autoportée, donc vous avez juste appuyé, elle avance quand même toute seule. Oh, mais dur. Mais là, non, là, avec ma femme, on a suivi 2000 m², 2h30 de travail. C'est bon, on a plein le cul. Donc, mon beau-frère, enfin, son frère, il nous a trouvé un tracteur tondeuse. Et franchement. C'est pratique. Et ce week-end, j'ai voulu le mettre en route. Et non, elle n'a pas voulu débarrer. Saligo. Mais bon. Un coup de start pilote et ça repart. Allez, hop, il est reparti. 15 minutes. Brrr, fini. Surtout que l'herbe, elle était pas mal montée quand même.
flotte, beaucoup soleil, de soleil, paf, soleil, allez hop, c'est monté. À la preuve, même le tracteur tondeuse, il bourrait, hein, fallait le faire. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire, Gertrude? Rien. Bah si, il y a 15 minutes, c'est long. Et toi, bah, t'as le droit à 51 minutes? Mais non, mais... T'as vidé? Bah oui, un petit peu. Voilà, c'est pour ça. Mais on va pas mettre 51 minutes, ça sert à rien. Mais... Ah bah non, mais t'avais pas d'autre chose à dire aux gens, là? Non. T'as pas fait une vidéo, par hasard? Si, j'ai fait la trappe-rêve, vous le verrez, elle va arriver dans la journée ou demain. Ouais, c'est ouais. Super long avec ça le PC. Ça fait 3 jours, mais bon, c'est pas non, grave. Non, c'est d'hier. Et... Ah non. C'est très long avec le PC, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu l'as pas mis avec ton portable? C'était parce que un peu rapide. C'est pas grave. Bon, allez, on vous fait de gros bisous, on vous dit à la prochaine. Et on fait un petit holono juste derrière. Hein? Je ne dis rien. Pensez à vous abonner, à mettre à des pouces bleus. Ping, ping, la cloche. Et la petite cloche si vous voulez être averti pour les nouvelles vidéos comme d'habitude. Et à côté de vous, la cloche. Non, je n'ai pas une cloche. Bah, si, pas qu'il est fini, mais t'es encore là. Allez, on vous fait de gros bisous et puis à très bientôt. Et puis encore merci pour ceux qui ont mis sur Litchi, merci encore. Ouais, ah oui, merci sur Litchi, ouais, sur tout ça déjà, important. Et merci aux 2303 abonnés. Mm. Franchement, merci. Donc, encore. encore. C'est bien, on avance s'il bien. S'il vous plaît. Ouais, on avance bien, franchement. Ouais. Et merci à tous et à toutes. Super agréable. Ça y est, Bueno. Et pas là, avec Kinder Bueno. Bon, allez, on vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt. Voilà. Bye bye. Bisous à tous.